Sophie d'Avignon est mon nom. Je suis fleuriste et j'ai un loisir qui peut sembler étrange pour certains. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, mais je collectionne des personnes. Ce que je veux dire par là, c'est que je dessine les gens qui m'entourent lors de mes expéditions. En faisant ceci, j'écris une histoire qui n'a jamais été racontée. Prenons en exemple cette gentille dame. Elle peut sembler avoir eu une vie plutôt banale, mais en fait, elle a eu une carrière convoitée par plusieurs. Elle était modèle et connue à l'international. Dans 3, 2, 1, action! Lui, c'est un businessman reconnu en haute finance. Il est en voie de surpasser le grand Jeff Bezos, mais il ne le laisse pas paraître. Bien qu'elle ne le démontre pas souvent, cette femme est en recherche constante d'adrénaline. Mais même après tout ce temps, il m'arrive à certains moments d'être atteinte du syndrome de la page blanche. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? J'y vais à l'aveuglette. Non, désolé. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vendez-vous des œillets par hasard? Oui, on en a juste ici. Ah. Parfait. Et ça va faire 2 $. Ça va être tout? Pourriez-vous acheter une carte, s'il vous plaît? Mais oui, qu'est-ce qu'on met dessus? On va mettre « Je t'aimerai toujours, maman ». Parfait. « Je t'aimerai toujours, maman », c'est bien ça? Oui. Monsieur? Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, bonne journée. Thank you.
Mais parfois, les histoires se racontent seules.